Philippiens chapitre 4. Lecture Philippiens chapter 4. Verset 11 à 13. From verse 11 to 13. Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette, pardon. Je puisse tout par celui qui me fortifie. Amen. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content, whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all things through him who gives me the strength. Amen. Hallelujah. Il y a une autre manière de traduire l'appartenance à Jésus. Is there another way to translate the belonging to the Lord Jesus? Comme marque de consécration. As a mark of consecration. C'est que tu es satisfait en Christ. Is that you are satisfied in Christ? Une jeunesse. A youth. Qui n'a pas fait du Seigneur ses délices, who has not made the Lord as his pleasure, a déjà échoué. Has already failed. A déjà échoué. Has already failed. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il faut, you must, que Jésus soit tout pour toi. It has to happen that Jesus must be whole for you. Tout. Hall. Sinon, otherwise, tu vas regarder derrière comme la femme de Lot. Or you look back as the wife of Lot. Et d'ici à la fin, nous allons réviser les conditions d'être disciple. Les conditions d'être disciple sont les clés de consécration réelle. From here to the end, you revise the conditions of being a disciple. The conditions of being a disciple are the key of real consecration. Nous allons le voir. You will see it. Si tu n'es pas heureux en Christ, if you are not happy in Christ, tu traînes une personnalité frustrée. Then it's like you have a frustrated personality. Tu es frustré. You are frustrated. Tu ne peux pas servir Dieu. You cannot serve God. Tu voulais avoir des richesses, tu as raté. You want to be rich. Les richesses terrestres. You want to be every richness, but you have failed to have them. Et tu es frustré. And you are frustrated. Et on t'a prêché l'évangile. You preached the gospel. Tu as cru. You believed. Tu danses, tu sautes. You dance, you jump. Si on t'examine bien dans un laboratoire de Jésus, if we examine you well in a laboratory of Jesus, tu n'es pas heureux. You are not happy. Tu n'es pas heureux. You are not happy. Tu es complexé. You have a complex.
Il te manque la joie qui vient du ciel. You like joy that comes from heaven. Paul dit. Paul says. J'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. To be content, whatever the circumstances. On apprend ça. You learn this. Et Dieu tient compte de cet apprentissage. And God considers that apprenticeship. J'ai appris. I've learned. À me réjouir en Jésus. To be happy in Jesus. Sans tenir compte de ce qui m'entoure. Without taking into account all that surrounds me. Sans tenir compte de ce que je vis. Without taking account of what I'm going through. Je suis heureux quand j'ai mangé. I'm happy when I've eaten. Je suis heureux quand je n'ai rien à manger. I'm happy when I have nothing to eat. Toi, you, quand tu n'as pas mangé, when you are not eaten, tu troubles tout le monde. You trouble everybody. Tu méprises tout. You despise all. Ce n'est pas sage. It's not wise from you. Tu dois être délivré. You have to be delivered. Tu dois être délivré. You have to be delivered. Et Jésus aura un fidèle serviteur. And Jesus, you have a faithful servant. La fidélité est la vertu de ceux qui ne trahissent pas. Faithfulness is a virtue of those who do not betray. De ceux qui sont constants. Or those who are constant. De ceux qui n'abandonnent pas. Or those do not abandon. Ils sont fidèles. They are faithful. La Bible dit. The Bible says. Étant donné que nous sommes les dispensateurs. As we are givers. Ce qu'on demande à chacun de nous. What we ask from each one of us. C'est que chacun soit trouvé fidèle. And each one should be found faithful. Tu dois être heureux en Christ. C'est un, tu dois. You must be happy in Christ. It is a must. Quand Jésus dit, prenez mon joug sur vous. When Jesus says, take my yoke upon you. Jésus ne donne pas l'illusion qu'on va, il va nous sauver et on va se balader dans la cour. Jesus was not giving the impression that he saved us and we turn around in the courtyard. Comme on disait les animaux domestiques. As we say that the animal, tame animals. Si tu vas chez le missionnaire d'Atiekwala, tu verras les chèvres là-bas, libres, qui se promènent. If you go to the missionary of Atiekwala, you find the goats free over there, which are turning around. Moi et toi. Me, I and you. Nous ne sommes pas libres. We are not free. Comme les canards de la basse-cour. And the duckies of the courtyard. Nous sommes une propriété de Jésus-Christ. You are the owners of Jesus Christ. Si Jésus veut que tu manges, if Jesus wants you to eat, tu le bénis. You bless him. S'il dit aujourd'hui tu ne manges rien, if he says today you eat bénis. Nothing, you bless him. Tu le bénis. You bless him. Les amis de Daniel ont dit au roi, roi, notre Dieu va nous délivrer. The friend of David said, oh king, our Lord will deliver us. Mais sache que s'il ne nous délivre pas, but know that if he does not deliver us, nous n'allons pas adorer la statue. We will not worship the statue. C'est fini. And it is finished. Nous allons le voir. Il y a notre responsabilité. You see that there is our responsibility. Nous devons nous séparer de tout. You must separate ourselves from all. Pour que Dieu puisse nous utiliser. For God to use us. Personne ne doit échouer à ce premier niveau-là. Nobody should fail at this first level. Où tu te sépares de tout. Where you separate yourself from all. Et Dieu te bénit. And God blesses you.
Les jeunes doivent travailler sur leur cœur. The young men must work over their hearts. Certains d'entre vous ont raté les études. Some have failed in their studies. Ils étaient intelligents. They were intelligent. Mais la vie, but le monde life, méchant, the wicked world, a tout fait pour qu'ils soient bloqués. Made everything for them to be blocked. Et tu ne peux pas passer le temps à pleurer. You cannot spend your time crying. Si tu passes le temps à pleurer, if you spend your time weeping, tu n'es pas converti. You are not converted. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Il y a un frère qui disait qu'il rêvait à une clinique qui porte son nom. There was a brother who used to say was dreaming of having a clinic which bears his name. Et il travaillait dur. And he was working hard. Après, later, ses facultés se sont révélées dans la littérature. That is, he found himself in literature. Il est devenu un professeur d'anglais. He has become an English teacher. Mais il n'avait jamais oublié qu'il voulait être docteur avec la clinique qui porte son nom. But he has never forgotten that he wanted to be a doctor with a clinic that bears his name. Et ça le rendait malheureux. And that make him unhappy. Et en 85, and in 1985, le frère Zach travaillait sur la guérison intérieure avec l'église. Brother Zach was working on inner healing with the church. Ce frère-là s'est levé pour rendre son témoignage. That brother stood up to give his testimony. Alléluia. Hallelujah. Il fallait qu'il soit heureux. It was for him to be happy. En tant que professeur d'anglais. As an English teacher. Tu dois être heureux. You must be happy. Il n'y a pas eu beaucoup d'amen. There were not many amen. Tu dois être must heureux. Be happy. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Il y a un missionnaire, on l'a envoyé quelque part. Il n'est pas satisfait. Il demande que, comment il peut évoluer dans ce village-là. There's a missionary who was sent somewhere. He was not happy. He asked himself, how can we succeed in such a village? Vous voyez? Can you see? Tu dois être heureux. You must be happy. Même si c'est dans un campement, missionnaire du campement. If it is in a remote area, as a missionary. Certains ne veulent plus que je continue parce que la prophétie peut tomber. Some do not want me to continue because the prophecy can fall upon them. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu prophétise. Ne craignez pas. So don't be afraid. It's not this way God prophesies. Mais si tu avais parlé, but if he has spoken to you, et que tu avais refusé, and then you refused, il t'a déjà restauré. He has already restored you. Toi-même, tu vas prophétiser sur toi-même. Yourself, you prophesy upon yourself. Jésus Christ. Jesus Christ. Réglons le problème de frustration, la frustration. Let's solve the problem of frustration. Frustration. Un homme frustré ne peut pas être rempli du Saint-Esprit. A frustrated man cannot be filled up with the Holy Spirit. Pas du tout. Never at all. L'une des règles de la plénitude, c'est réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. One of the rules of the fullness of the Holy Spirit is be joyful in the Lord, I'm telling you. Be joyful in the Lord. Tu peux être frustré par ton teint. You can be frustrated because of your skin color. Tu es délivré. You are delivered. Tu es délivré. You are delivered.
Tu peux être frustré par ta taille. You can be frustrated because of your size. Tu es délivré. You are delivered. Tu peux être frustré par le nom de ton village. You can be frustrated because of the name of your village. Un frère nous a dit à Ouagadougou. A brother told us in Ouagadougou. Qu'il a tué son père plusieurs fois. That he killed his father several times. Son père était un vieux. His father was pauvre. An old man, a poor old man. Et il disait à ses amis que son père est décédé. And he was telling his friend that his father died. Et il présentait son oncle à tout le monde, tous ses amis. Son oncle était un homme un peu aisé. Il était aisé. Il était riche. He was introducing his uncle as relativement riche. His uncle was rich. Donc il disait, voilà mon père. He was saying, this is my father. Tu es délivré. You are delivered. Tu es délivré. You are delivered. J'ai appris à être content to be happy de l'état dans lequel je me trouve. Whatever the circumstances. Si c'est vrai que Jésus t'a arraché du monde, if it is true that Jesus redeemed you from the world, crois que c'est lui qui t'a gardé là où tu es. Believe that is the one who has kept you where you are. Crois. Believe. Crois. Believe. Et sois guéri. And be healed. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Quand tu es honoré, when you are honored, tu sers. You serve. Quand tu es rabaissé, when you are brought down, tu sers. You serve. Quand tu rates un examen, when you fail at an exam, tu sers. You serve. Ce jour-là même, tu es premier à la réunion. S'il y a une rencontre ce jour-là, tu arrives avant tout le monde. That day, you are the first at the meeting. If there was a prayer meeting, you are the first to be at that prayer meeting. Certains peuvent croire que tu as un témoignage, c'est pour cette raison que tu es venu tôt. Some you believe that you have come early because you have a testimony. Tu es juste en train de prouver que tu sais pourquoi tu as cru. And you are just showing that you know in what you have believed. Il ne faut pas permettre que quelque chose de ce monde vole ta joie. Do not allow anything from this world to steal your joy. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Écrivez ceci. Write this. Quand on étudie, when you study, les points de doctrine, the points of doctrine, relative à la rédemption, relating to redemption. Notez ça. Quand on étudie les points de doctrine relatives à la rédemption, when you study the point of doctrine relating to redemption, on se rend compte, you can see that, que tous ces points, now all those points, rassemblés, putting together, dispose le croyant, bring the believer, dispose le croyant, makes the believer, à se séparer de tout pour Christ, to separate himself from all for Christ. Donc la rédemption est une formule divine pour produire les gens qui appartiennent à Jésus. So redemption, it is a divine formula to produce men who belong to Jesus. Prenons le premier point. Let us take the first point. Éphésiens chapitre 1. Ephesians chapter 1. Verset 3 à 14. From verse 3 to 14. Il dit, en Jésus, he said, in Jesus, Dieu nous a élus. God has elected us. Dieu nous a élus. God has elected us. Donc, so, Dieu a exprimé sa volonté par rapport à nous, à notre liberté.
So God expresses is real according to our. Il t'a élu. He has elected you. Il y a plus de 7 milliards d'âmes sur la terre. There are more than 7 billion people on Dieu, earth. Dieu a dit, God has said, mettez le sceau sur celui-là. Put the seal mettez on that person. Mettez. Put. On dit, vous êtes élu. He said, you have been elected. Il y aura des âmes qui seront sauvées dans votre famille, mais vous êtes les premiers, vous êtes élus. Certainly, there are souls that will be saved in your family, but you are the first ones. Acclamez véritablement. Clap truly. Jésus Christ. Jesus Christ. Il dit. He said. Il a élu pour quel but? Lis le he verset 4. He has elected for which purpose? Lis le verset 4. Read verse 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Pour que nous soyons saints. For us to be holy. Et irrépréhensibles devant lui. And without any reproach before him. Nous allons le voir d'ici à demain. S'il n'y a pas de sanctification, if there's no sanctification, il n'y aura jamais de consécration. Consecration will not take place. Donc, quand Jésus agit, so when Jesus acts, il attaque par l'élection. He attacks through election. Il prend et il met à sa propre disposition. He takes and put it at his own disposition. Il dit ceci. He said, "This one seront saints. These ones will be holy et irrépréhensibles. And without any reproach. Ils sont les prémices. They are the first ones. Les premiers nés de sa création. The firstborn of his creation. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Continue la lecture. Continue the reading. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Il nous a prédestinés par son amour through his love à être ses enfants d'adoption. To be his children of adoption. Selon le bon plaisir de sa volonté, il se réjouit, il trouve ça bon. He find it good. He's happy. Il est satisfait par son action, son travail. He's satisfied by his action, his work. De même, toi, quand tu fais quelque chose qui est bien, tu veux dire à tout le monde, j'ai réussi une opération aujourd'hui. Likewise, you. When you have succeeded something, you say, Dieu I've content. Succeeded in operation today. Tu es content. And you are happy. Ton plaisir. Your pleasure. Enfant de Dieu. Child of God. Élu, elected, adopté, enfant de Dieu, child of God. Continue. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Ça dit que l'œuvre de Dieu pour faire de nous ses enfants, to make us as his children, c'est pour la gloire de Jésus. It is for the glory of Jesus. C'est glorieux. It is glorious. Ça demande qu'on le loue. He called us to worship him. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Il y a des gens qui aiment dire, rien n'a changé dans ma vie. Attends. There are some people like saying, nothing has changed in my life. Be Ça veut careful. Dire que tu es aveugle. That means that you are blind. Tu ne vois pas. You can see. Tous les enfants de Dieu all the children of God ont reçu la grâce de l'adoption. Receive the grace of adoption. Qui dépasse la viande et le poisson. This is more than fish and meat. Certains sont là, ils veulent seulement manger. Some are there, they want only to eat. On dit, Dieu vous a pris, vous êtes ses enfants, ça ne leur dit rien. They say, God has taken you, you are his children. It means nothing to them. Ils attendent le mariage. They are waiting for marriage. Comme ça, ils vont croire que Dieu les aime. So that they believe that God really loves them.
Ils oublient que quand la trompette va sonner, they forgot that when the trumpet will be blown, certaines sœurs, some sisters, seront encore des célibataires. You'll still be single. Sanctifiés. Sanctified. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Des enfants de Dieu. Children of God. Pour la gloire de Dieu. For the glory of God. Pour son bon plaisir. For his good pleasure. Quand il les regarde, il est satisfait lui-même. When you look at them, himself is happy. Continue. Continue. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. En lui, in him, nous sommes rachetés. We are redeemed. Par sa grâce, c'est gratuit. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. La rémission des péchés. Selon la richesse de sa grâce. The forgiveness of sins. Il a racheté. He redeemed. Il a effacé les péchés. And he cleansed out il sins. Il a pardonné. He forgave. Il a pardonné. Ça, c'est un plan. This is a plan. Pour faire de nous des enfants de Dieu. To make us children of God. Consacrés à Dieu. Consecrated to God. Continue. Continue. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Écoute. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Dieu, God, nous a révélé revealed to us le mystère de l'Église. The mystery of the church. Nous sommes de ceux qui savent we are among those who know que Jésus est venu former un corps sur la terre qu'on appelle l'Église. That Jesus has come to make a body on earth which is called the church. Et ça, c'est ça que la parole appelle. Il nous a révélé le mystère caché. This is what the word said. He has revealed to us the mystery that was hidden. C'est-à-dire que les païens et les juifs vont former un corps qui s'appelle l'Église. As the pagans and the Jews, you make a one body that is called the church. Jusqu'à présent, beaucoup n'ont pas encore compris ce mystère. Until now, many have not understood that mystery. Il y en a qui attendent encore Jésus. Some are still waiting for Jesus. Il y en a qui ne mangent pas le porc, il y en a qui marchent du pied. Some do not eat. Ils n'ont pas encore reçu le mystère que Dieu nous a révélé. Do not eat pig meat, they even walk with a barefoot. They have not received the mystery that God has given to us. Mais toi tu connais les choses cachées. But you know hidden things. Lis Ephésiens chapitre 3, lis le verset 10. Read Ephesians chapter 3, verse 10. Lis même d'abord le verset 1. Read verse 1 first. 1 à 3. From verse 1 to 3. Et à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Gloire à Dieu. Amen. Praise the Lord. Tu peux toi-même rendre témoignage que quand on lit, ça ne te dit rien. You can even give a testimony that when you read, it doesn't make anything to you. Pourquoi? Why? Tu comprends. You understand. Et tu serais étonné d'entendre que les gens n'ont pas encore compris ça. You'd be surprised to hear that some people have not understood this. Alors que pour toi, c'est simple.
Why for you it is simple. C'est pour cette raison qu'il dit, il nous a fait connaître le mystère. This is the reason why it is said. C'est un cadeau. He has made us known the mystery. It is a gift. Les gens ne comprennent pas. Paul essaie d'expliquer. People do not understand. Paul tries to explain. Il prend même les gens à témoin que vous-même, quand j'explique, est-ce que vous n'admirez pas l'intelligence que Dieu m'a donnée pour expliquer ça? He takes people as witnesses. He said, when I explain, couldn't you understand that God has given me the intelligence to explain this? Et je vais vous dire une chose. Then I want to tell you something. Si if l'Église néglige la révélation, if the church neglects la révélation, revelation, il y aura beaucoup de faiblesses. They have much people who are weak. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? L'Église doit reconnaître que le Saint-Esprit est à l'œuvre. The church must recognize that the Holy Spirit is at work. Pour expliquer certains mystères aux gens. To explain some mystery to people. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? C'est comme le mystère de la délivrance. It's as the ministry of deliverance. Il n'y aura jamais de vraie conquête. You never sans have ministère de délivrance. True conquest without any ministry of deliverance. Jamais. Never. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Si tu n'es pas délivré, if you are not delivered, tu ne peux pas réussir dans la conquête. You cannot succeed on the conquest field. Tu ne peux pas. You cannot. C'est un mystère. It is a mystery. Il y a des gens qui méprisent la délivrance. Ils pensent que la délivrance vient de l'homme. Non. Some people despise deliverance. They think that deliverance comes from man. No. La délivrance est au centre de la volonté de Dieu. Deliverance is at the center of the will of God. Et dans une œuvre normale. Then it is a normal work. Il faut qu'il y ait des ministères de délivrance clairs. There must be clear ministries of deliverance. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Et quand quelqu'un and when someone a reçu un appel has been called dans un domaine comme la délivrance, in a domain like deliverance, il faut constater l'intelligence avec laquelle il explique les choses. And notice the intelligence with which he explains the thing. Écoutez ça très bien. Listen to that carefully. Le discernement doit s'opérer dans l'intelligence qui l'accompagne pour comprendre le mystère et l'expliquer aux autres. Discernment must appear in the intelligence of the one who understands to understand and explain it to others. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Quand le frère Zach expliquait que Dieu lui a dit de renverser le prince du communisme, ça pouvait faire rire certaines personnes. When Brother Zach said that he received that God told him to overthrow the prince of communism, some people could laugh at it. Et il a obéi. And he obeyed. Il y a 17 Ivoiriens qui avaient participé parce qu'il avait écrit. 70 Ivorians took part in it because he wrote about it. Et il a dit que Dieu lui a dit que le prince est tombé. And he said, God told him that the prince fell down. Nous avons lu la presse, nous avons écouté les radios, nous avons regardé les télévisions. Les choses ont commencé à dégringoler jusqu'à ce que le mur de Berlin tombe. You read newspapers, you listen to radio, and you hear that things starting becoming down until the wall of Berlin was broken down. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? C'est le plus haut niveau de délivrance. S'attaquer au prince satanique, c'est le plus haut degré de délivrance. It's the highest degree of deliverance to attack the prince.
Et je vous ai dit un jour. And I told you one day. Qu'en 2005. That in 2005. Le Seigneur m'avait dit. The Lord told me. Tant que vous n'avez pas enseigné. Until you have not taught. Que les démons les plus puissants ne sont renversés que par le jeûne et la prière. That the mighty demons are overthrown. By fasting and prayers, tout votre enseignement sur la délivrance reste incomplet. Là, il me parlait. All your teaching upon deliverance are incomplete. C'est ça qui accouche le renversement des principautés. This is what gave birth to the overthrow of principalities. Quand on a fini, ça ne veut pas dire qu'il y a de contradiction. Ça veut dire qu'on a la révélation complète. It means that you are the complete revelation. It is not a contradiction. On a la vraie repentance. We have true repentance. Pour t'introduire dans la nouvelle naissance. To introduce you in the new birth. On a le brisement des liens malsains. We have the breaking or evil ties. Pour détruire tous les liens établis par engagement volontaire to et par l'idolâtrie criminelle. To destroy all the ties established by a free commitment and all the work of idolatry. Pour détruire tous les envoûtements. To destroy all the bewitchments. Établis dans le cadre des pratiques de sorcellerie. Established because of the practice of the witchcraft. Après. Then. On évolue. You go forward. Jeûne et prière. Fasting and prayer. Pour que les méchants esprits qui sont dans les lieux célestes qui dominent so that sur les gens tombent. So that the wicked spirit that live in the heavenly places fall down for people to be delivered. Et ça marche. C'est ça qui fait que les blancs commencent à demander la Côte d'Ivoire c'est où. This is what makes the white people ask, what is Côte d'Ivoire? C'est ça qu'on appelle la révélation. This is what is called revelation. Ne dis pas, ce n'est pas biblique, ce n'est pas biblique. Il faut contempler l'intelligence reçue pour comprendre le mystère. You need to understand the intelligence received to understand the ministry. C'est ça qui est important. This is what is important. Si quand l'apôtre Paul te dit, when the apostle Paul tells you, que nous sommes les membres du corps de Christ. You are the members of the body of Christ. Et que Jésus est la tête. Then Jesus is the head. Et que chacun de nous a reçu un don, au then, moins. Then each one of us have received at least a gift. Il a appris ça où? Where did he learn this? Si tu lui dis de prouver ça. If he asks you to prove this. Il va prouver ça comment? How is he going to prove that? Mais quand tu regardes l'Église fonctionner, but when you look how the church works, tu dis l'apôtre a raison. You can see that. You can say that. Moi-même, j'ai parlé en langue ce matin. Qui n'a jamais parlé en langue? Never spoken in tongues. Qui a déjà parlé en langue? Never spoken in tongues. Oh oui. La Bible dit que certains ont reçu le parler en langue. The Bible says some receive speaking in tongues. C'est vrai ou c'est faux? Voilà. Si tu as déjà parlé en langue, lève la main. If you have ever spoken in tongues, raise up your hand. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc, soyons sages. So let us be wise. Nous avons la révélation. We have revelation. De l'Église. Of the church. Et ce n'est pas la seule révélation. There is not the only the revelation that we have. Il y a la révélation des armes spirituelles. We have the revelation about spiritual weapons. Si tu veux, essaye. If you want, try. Si un démon se manifeste, dis au nom de Jésus, tu verras. If a demon manifests, say in the name of Jesus, and you will see. Tu verras. You will see. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Au nom de Jésus, tout genou fléchit. In the name of Jesus, every need we bow down. Essaye de dire, tu verras. Try to say it, you see. Ce jour-là, tu vas croire. That day, you believe. Dis amen. Say amen. Écoutez. Listen. Pratiquez
en finir avec le passé. To practice termination with the past. Pratiquez ça. Practice it. Nous sommes allés au Bénin. You went to Benin. Deux jumelles. Two twins. Qui tombent toujours dès qu'on commence la prière, elles tombent. Well, before every day, as soon as you start praying, they fall down. Nous-mêmes nous sommes partis dès qu'on a commencé, ils sont tombés. You went as soon as you started, they fell down. Les frères ont chassé quand deuxième séance, elles sont tombées. The brother cast out demons. The second day, they fell down. Quand on a brisé les liens. When you broke the ties. Une a vu un esprit trois têtes. One saw a spirit with three heads. Qui est sorti. Which came out. L'autre a vu la même chose. The other one saw the same thing. Et les frères ont achevé la délivrance. And the brother ended the deliverance. Jusqu'à ce qu'on retourne, elle ne tombait plus. Until we come back, there's no fall anymore. Tu vas expliquer ça comment? How are you going to explain this? On les a adorés comme des dieux. They worship them as gods. Donc il y avait des liens. So there were ties. Il fallait briser tout ça. They were to break all. Ça se brise comment? How? C'est avec la parole. Broken? C'est la parole. It is the word. On ne boit pas l'huile. On ne boit pas l'eau. You do not drink oil. You do not drink on water. On ne boit pas le sel. You do not drink salt. On parle à l'esprit. You speak of the spirit. Ou on parle aux liens. Or you speak of the ties. Dès qu'il est brisé, when it is broken, c'est fini. It is finished. Et le lien peut être un esprit qu'on a posté. The tie can be a spirit that has been posted. Nous sommes allés au Liberia. You went to Liberia. Là-bas, il y avait une femme qui a dépassé tout le monde. Over there, there was a woman who overpassed everybody. On dit que dans les funérailles, elle tourne le riz des grosses marmites avec la main. They said during funerals, she used a hand to turn down to put it in a growth pot. Elles étaient 1200 jeunes filles. There were 1,200 young girls. On les a excisées le même jour parce que là-bas, on fait l'excision populaire. They went through few men. Circumcision, because over there, avec une grande danse, they cut the part of the body, and with a great dance. Et on les a excisés. Then they went through excision. On prend les corps coupés là. On met dans les médicaments tout ça. On prépare et elle mange. They take the parts that have been cut down. They put it in a mixture. They cooked and they eat. Et on a choisi trois. And they chose three pour diriger ces 1200 là. To lead the 1,200 women. C'est elle qui était chef. And she was the one who was the chief. Donc tout ce que les gens ont tenté de faire pour délivrer zéro. So all the men tried to deliver her failed. Quand nous sommes partis, when you went, nous avons enseigné vendredi. We taught Friday. Je crois que nous sommes arrivés jeudi, on a enseigné jeudi soir et on a enseigné vendredi. I thought you went on Thursday, you taught Thursday night and you taught on Friday. Quand je regardais les gens, je comprenais qu'ils ne veulent même rien, ils attendent la délivrance. When I was looking at people, donc, tout ce que j'ai raconté là, ils étaient pressés. I could hear that, I could see that they don't want teaching, they want deliverance, they want ready for deliverance. Je me suis dit, il faut que je commence. I told myself how to start. On a donc bombardé. So you bombard. Je l'ai vu tomber. I saw her fall down. Sans s'agiter comme les autres. Without agitating herself like others. J'ai envoyé les frères la chercher. I sent brother to search for her. Ils l'ont soulevé. They took her. Arrivée dehors, elle dit. When they went outside, she said. Que quelqu'un est entré dans la salle. Somebody entered the hall. Et la personne lui a dit, and the person told her, je vais enlever la chose qu'on avait mise sous ton pied. I remove the thing that they put on your soul. Et dès que la personne a enlevé cette chose-là,
And as soon as the person removed that thing, elle s'est sentie légère, elle est tombée. She found herself light and she fell down. Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus lui-même qui savait où se trouvait le point d'envoûtement. That is Jesus himself who knew who was the point of bewitchment. Et elle n'a plus jamais été la même. Et chaque visite, on va là-bas, elle dit, je suis délivré. And she has never been the same. Now, every visit that you go, that said that, I'm fine. Guéri, délivré. Healed, delivered. Faites systématiquement en finir avec le passé. Do systematically terminating with the past. En octobre prochain. Next October. Je dois parler de en finir avec le passé aux missionnaires nationaux à IDEA. I must talk about terminating with the past with the national missionaries. Dans l'enseignement du frère Zach, il y a sept choses qu'on doit faire. In the teaching of Brother Zach, there are seven things that you must do. Nous allons étudier chacune d'elles. We study each one of them. Et nous allons mettre le focus sur le brisement des liens qui est le gros lot de ce processus. And you focalize ourselves on the breaking of ties. Qui est le point saillant? This is the main point de ce processus-là. Of that process. Et dès qu'on aura terminé, je serai avec l'équipe. Finish, l'équipe, on va briser les liens de tous ceux qui seront à l'école. If the team, you break the ties of all those who will be at the school. Le Cameroun sera béni. And Cameroon, you'll be blessed. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Donc, nous sommes en train de progresser. So, you are progressing. C'est un héritage. Ne laissez pas les gens voler ça. It is an heritage. Don't let people steal this. Il y a une dame qui m'a vu. Elle cherchait la délivrance. There's a woman who saw me. She was looking for deliverance. Elle dit qu'on lui a pris 300 000 pour faire son brisement de liens à Abidjan. She was they took from her 300,000 to break her ties here in Abidjan. Si toi qui es l'enfant légitime, tu ne brises pas les liens, les bandits vont briser et prendre 300 000. If you who are the legitimate child, you not break the ties, the bandits you take 300,000 and you break the ties. Va délivrer les gens. Go and deliver people. Mais ne demande pas l'argent. But don't ask for money. Dis amen. Say amen. Si tu ne le fais, il y a un autre. If you don't, there's another one. On lui a pris 45 000 fois deux. They took 45,000 times two. Il était parti avec sa fiancée. Brisement de liens, 45 000 fois deux. He went with his fiancée. Break of ties, 45,000. Quand ils ont fini, ils ont dit. When they finished. Consolidation, 22,500 fois deux. They said consolidation, 22,500 times two. Va briser les liens gratuitement. Go and break the ties freely. Tu délivres la nation. And deliver the nation. Si tu ne le fais pas, if you don't do it, les bandits sont en train de le faire. Bandits are doing it. Mais les gens ne sont pas délivrés. S'ils étaient délivrés, ils ne seraient plus venus vers nous. But people are not delivered. If they were delivered, they shouldn't have come to us. Il y a une personnalité. There's a personality. Qu'on a délivré authentiquement. That will be authentically delivered. Un faux prophète voulait déjà l'amener au Ghana pour un brisement de liens de 2,500,000 chacun. A false prophet wanted to take him to Ghana for the break of ties for 2,500,000 for each. On les a délivrés. They were delivered. Le père, of the father, la mère, les enfants, the les mother, petits-enfants. The children, c'est la première the fois. Grandchildren. Pour la première fois, j'ai vu une famille sauvée, complète. It was the first time I saw a whole family saved. Tu connais le mystère. You know the mystery. Tu connais l'église. You know the church. Tu connais les dons spirituels. You know spiritual gifts. Après tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? Lis. After all of this,
What did you do? Read. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, continue. Nous sommes aussi devenus héritiers. En lui, nous sommes devenus héritiers. In him, we also heirs. Continue. Ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Continue. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance... Vous avez compris? Afin que nous fassions quoi? So that, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance... Afin que nous fassions quoi? Afin so that you que do nous what? Servions à nous la louange servions. De sa gloire. You serve tout ce travail-là all this work pour que tu sois serviteur. For you to become a servant. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Si tu es à ton poste, if you are at your post, cela te suffit. It is sufficient for you. Même si tu n'es pas riche. Even if you are not rich. Parce que dans le dessein de Dieu, because in God's purposes, c'est pour faire de toi serviteur. Is to make you as a servant. Continue. Continue. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Écoutez. Listen. Vous avez cru. You believed. Et vous avez été scellés. And you have been sealed. Vous savez, you know, ta foi, your faith, vient après l'élection. Comes after election. Je veux dire que l'élection précède ton engagement. I want to say election precedes your commitment. Il y a un point où there's a point where tu dois ajouter where you must add ton suffrage. Your ballots. Au début, at the beginning, Dieu te prend, il te lave, il te fait ceci, il fait tout, il te wash you, he does everything for you. Il faut qu'à un certain moment, tu sois d'accord avec tout ce qu'il a fait. Then at a certain moment, you must agree with all that he did. C'est à ce niveau-là it is at that level que ta foi est exigée. That your faith is requested, is demanded. Continue. Continue. Lequel est un gage de notre héritage? Et dès que tu as dit oui, as soon as you say yes, on frappe le cachet sur toi. You put the seal on you. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Si Dieu fait tout ce travail, if God does all this work, si tu ne veux pas, if you don't want, tout est annulé. Everything is cancelled. Tout est annulé. Everything is cancelled. Reprends. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous avez cru. You believed. Et vous avez été scellés. And you have been sealed. Vous avez cru. You believed. Et vous avez été scellés. And you have been sealed. Vous avez cru. You believed. Et vous avez été scellé. And you have been sealed. Quelqu'un peut écouter tout ce qu'on dit là. If you can listen to all that we are saying. Il ferme son cœur. He closes his heart. Il dit qu'il ne croit pas. He said he doesn't believe. Tu ne seras jamais rempli du Saint-Esprit. You never be filled up with the Holy Spirit. Mais si tu crois. But if you believe. C'est une nouvelle histoire. It is a new story. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Donc, selon l'apôtre, so, quand on arrive à ce niveau, when you reach that level, il faut que tes yeux s'ouvrent. Your eyes must be open. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Your eyes must be open. C'est à partir de ce niveau, it is from that level, que tu dois exercer la foi. You must bring faith in. Pour marcher avec Dieu. To walk with God. Lis le verset 15 et 16. 17. 15, 16, 17. Read from verse 15 to 17. C'est pourquoi moi aussi,
Ayez entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Alléluia. Sauvé. Saved. Pour servir. To serve. Avec la force qui vient de Dieu. With the strength that comes from God. Sauvé. Saved. Pour servir. To serve. Avec la force qui a ressuscité Jésus, avec la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. With the power that brought Jesus back from life among the dead. Sauvé. Saved. Pour servir. To serve. Sauvé. Saved. Pour appartenir. To belong. Exclusivement à Jésus. Exclusively to Jesus. Sauvé. Saved. Pour servir. To serve. Avec quelle force? With strength. La force, la puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus d'entre les morts. The force, the power that God uses to bring Jesus back from death among the dead ones. C'est ça qu'on va maintenant commencer à expliquer. This is what we start explaining. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Que quelques personnes viennent prier. May some people come and pray. 10 personnes, pas plus. 10 people, que not more than. Que les yeux et les oreilles s'ouvrent. So the ears and the eyes will be open. Que chacun voit. That each one will see. Que la rédemption. The redemption. Nous prédispose pour être des hommes consacrés qui servent Dieu avec la puissance d'en haut. To be consecrated men to serve with the power from heaven. Tu appartiens à Jésus. You belong to Jesus. Tu es sauvé. You are saved. Tu es serviteur. You are servant. Et la force que tu utilises vient d'où? And the power that you use, where does it come from? Ça vient d'en haut, de Dieu. It comes from heaven, from God. Il faut God. Que tes yeux s'ouvrent. Let your eyes be open. Pour que tu vois. For you to see. Que tu es dans cette puissance-là. That you are in that power. Et que c'est cette puissance-là que tu dois utiliser. That is that power that you must use. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Ça veut dire que quoi? What does it mean? Un homme qui se débrouille n'est pas consacré. That a man who has been doing things on his own is not consecrated. Il ne travaille pas sous l'onction divine. It does not work under divine anointment. Quand on est sous l'onction de Dieu, when you work under God's anointment, on travaille avec la puissance de Dieu. You work with the power of God. La puissance d'en haut. The power from heaven. L'apôtre Paul dit, j'ai prié. Apostle Paul said, I pray. Afin que Dieu vous donne un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit de révélation, God, pour que vous le sachiez. God will give you a spirit of wisdom, a spirit of intelligence, a spirit of revelation, so that we know. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Mes yeux s'ouvrent d'une autre manière sur la consécration. My eyes are open in another manner on consecration. Et quelqu'un dit? And someone says. Dans le langage courant, on dit je me consacre. C'est vrai, mais. In the human language, spiritually, it's not correct. On enseigne que l'homme se met à part pour Dieu. You teach a man separate himself for God. Et Dieu le consacre à son service. And God consecrated him to his service. Les humains. Human beings. Présente l'homme à Dieu. C'est-à-dire, je peux te bâtir, mais je ne peux pas te consacrer. Je peux te bâtir et présenter à Dieu que voici un disciple que j'ai bâti. Human beings present man to God,
That means I can beat a man. I can say to God, I will say, disciple that I will beat, but I cannot consecrate him. Mais je ne peux pas le consacrer. But I cannot consecrate him. C'est Dieu qui le consacre quand il vérifie si les conditions ont été remplies. It's God who consecrates him if he checks and then finds out that the conditions are fulfilled. C'est pour cette raison que la première étape pour être consacré, c'est la vraie sanctification. This is the reason why the first stage to be consecrated is a true sanctification. Et la sanctification, par définition, c'est le fait de te mettre à part pour Dieu. And sanctification, by definition, is to put yourself aside for God. Si tu comprends ça, if you understand this, ton esprit va s'ouvrir. Your spirit will be opened. Toi, tu dois payer le prix. You must pay the price. Pour te conformer à la vision du disciple normal. To be conformed to the normal conditions of a disciple. Dieu dit qu'il t'a élu pour que tu sois mis à part, que tu sois saint et irrépréhensible. Tu dois te conformer à ce projet de Dieu. God said he has elected you to be holy and to be without reproach. Then you have to be conformed to those conditions. Si tu dis, if you say que c'est difficile, that it is difficult, que tu ne peux pas, that you cannot, tu es disqualifié. You are disqualified. Même si les gens te placent là, even people put you there, il n'y aura pas l'onction sur toi. Anointment, you will not fall on you. L'onction vient de Dieu. Anointment comes from God. L'onction de sang. Quand Dieu est content, when God is happy, he pour oil on you. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? À partir de cet instant, from that moment, tu travailles sous une autre puissance. You work with another power. C'est comme ça que Dieu fait. This is how God does things. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Viens prier. Come and pray. Seigneur notre Dieu, très te dis merci parce que dès la tombe, tu nous apprends que nous ne sommes pas venus, Seigneur, pour apprendre des définitions relatives à la consécration, à la notion de consécration. Mais tu nous as conviés à ce camp afin que chacun se consacre à toi. Ô notre Dieu. Et pendant que tu te forces à nous enseigner, à nous expliquer les choses en des termes très simples, je prie que nos oreilles soient débouchées. Je prie que les pensées de nos cœurs s'ouvrent. Je prie, Seigneur éternel, que le voile soit déchiré. Parce que tu nous enseignes que la rédemption nous prédispose à la consécration pour Dieu. Ô Père, je prie, Seigneur éternel, que la lumière, Seigneur, soit davantage grande. Je prie, Seigneur, que nos cœurs s'établissent dans cette lumière. Que c'est toi qui consacres. Que lorsque tu vois que les conditions sont remplies, les conditions sont requises, et toi-même tu consacres quelqu'un à toi, à ton œuvre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta lumière, ta vision, ta parole pour nous. Et nous prions au nom de Jésus-Christ que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles s'ouvrent, que nos cœurs s'ouvrent, afin de recevoir ta parole. Seigneur, tu as dit que tous les éléments, tous les points de la rédemption nous prédisposent à la consécration pour te servir avec une autre puissance, la puissance
de Dieu, la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Un homme consacré ne se débrouille pas. Celui qui se débrouille même n'est pas consacré. Père, je prie que ces vérités soient inscrites dans nos cœurs. Que les faux raisonnements soient brisés. Que les fausses conceptions soient renversées. Que ta parole soit inscrite dans nos cœurs et dans nos esprits. Avec une encre indélébile, Seigneur notre Père. Je t'en supplie. Seigneur, bénis-nous. Et accorde-nous de nous y établir. Et comme tu l'as dit, de nous mettre à part. Afin que toi-même, Seigneur, dans ta satisfaction, les conditions ayant été remplies, tu consacres en amenant ton onction pour que nous puissions servir avec une autre puissance. Seigneur, sois célébré au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur éternel, nous te bénissons, toi qui nous parles. Merci infiniment. Ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tu nous fais comprendre que la sanctification, ô Dieu de gloire, est le chemin vers la consécration. Ô Éternel, et quand tu es content, ô Dieu de gloire, toi-même tu consacres, ô Dieu de gloire, et tu nous donnes l'onction, Père. Tu mets l'huile, ô Dieu, parce que les conditions ont été remplies. Père, nous prions que tu nous accordes, ô Dieu de gloire, de nous conformer à ces vérités. Accorde à chacun de comprendre qu'il doit commencer par la sanctification. Seigneur, nous devons faire notre part en nous sanctifiant. Père, tu ne voudrais pas nous sanctifier à notre place. C'est nous-mêmes qui devons nous mettre à part. C'est nous-mêmes qui devons nous séparer pour toi, ô Dieu de gloire. Accorde à chacun de nous de faire ce travail préalable. Ô, s'il te plaît, fais-le, Seigneur, dans nos cœurs. Que nous comprenons cela, ô, d'une manière divine, ô Seigneur. Que cela produise l'action en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.